L'école, c'est parfois super ennuyeux. Tu aimerais pouvoir pimenter un peu plus les choses? Regarde cette vidéo et tu verras plein d'astuces de génie. Il y a vraiment de quoi faire des vagues dans ta classe. Alors, installe-toi et profite de ces conseils amusants et utiles pour l'école. Ouf, cette anti-sèche est presque prête. Tu crois que le prof la remarquera pendant l'interro? Une version plus petite serait préférable. Le prof n'osera jamais aller regarder ici. Elle est encore trop grande pour la cacher. Ces grandes équations ne tiendront jamais sur une feuille de pompe. Allez, il faut que ça tienne. Je ne pourrai jamais mémoriser toutes ces équations. Tu es stressée pour l'interro de demain, Jennifer? Tiens. Ha ha. Très drôle. Wow. Oh, pauvre petit ballon. Attends une seconde. Ça me donne une idée. Tu veux l'anti-sèche parfaite? Écris tes équations sur un ballon gonflé. Puis dégonfle-le complètement. Colle ensuite du scotch par-dessus l'encre humide pour la copier. Et colle-le sur ton ongle. C'est tout petit. Personne ne soupçonnera de tricher comme ça. Je vais déchirer à cet interro. Ça, c'est une bonne astuce. Ouf. Oh non, ma mère va me tuer. J'ai complètement foiré. Jeune fille, nous n'acceptons aucun échec dans cette maison. Je suis très déçue. Oh, j'en ai mal au ventre. Salut, Jen. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais qu'il y a un moyen d'améliorer ce F, n'est-ce pas? Je vais te montrer. Réorganisons juste ces lignes, d'accord? Maintenant, tu as un plus. T'es trop forte, Kate! Tiens, prends ça en guise de remerciement. Oh, merci beaucoup! Ça a le goût du succès. Tu sais à quoi je pense? Avec un peu d'imagination, on peut changer à peu près n'importe quelle note. Pourquoi se contenter d'un D quand on peut avoir un A? Voilà qui est mieux. Voici une façon de transformer tes compétences en un vrai business, Kate. On m'appelle la redresseuse de notes. Quand vient l'heure de réviser, tout est une question d'organisation. Et surligner les parties importantes est un excellent moyen d'y arriver. Ce contrôle va être un jeu d'enfant. J'ai besoin d'un nouveau verre si je veux travailler correctement. Je vais faire le plein. Oh! Oui, c'est ce que je te disais. Ok, t'as entièrement raison. Jennifer, non! Ma copie! Ces surligneurs ne sont pas déjoués, Jennifer! Comment je vais faire pour réviser maintenant? Détends-toi, Kate. Les citrons peuvent servir à autre chose qu'à parfumer ton eau. Waouh! Comment t'as fait ça? C'est un citron magique? La prochaine fois que tu feras des gribouillis et que tu veux les effacer, une rondelle de citron peut te sauver la vie. Plutôt classe, non? Pense juste à changer de rondelle avant de la remettre dans ton verre. J'espère que tout ça va tenir dans mon sac. Je suis en retard. Pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours? Allez, rentre là-dedans. Allez, ferme-toi! Wow! Je ne savais pas que j'étais si forte. Je n'arriverai jamais à l'heure. Peut-être que je ne pense pas de la bonne manière. Je crois savoir ce que je peux faire. Tu veux tirer le meilleur de ton sweat à capuche? Mets tes affaires au centre, comme ceci, et enveloppe-les correctement avec la capuche. Tire ensuite le cordon et fais un nœud. Noue ensuite les manches entre elles pour faire une bandoulière. Fais même un double nœud.
Regarde le nouveau sac de Kate. Trop classe. Il a même une poche pour le téléphone. Génial. Jennifer, tu préfères le bleu ou le rouge? Le rouge. Au fait, tes lacets sont défaits. Oh non. Oh, ce truc ne reste jamais attaché. Voilà, c'est bon. Kate? T'es lassée? Hein? Tu te moques de moi? C'est décidé. Les prochaines chaussures que j'achète seront à scratch. Peu importe comment je les attache, mes lacets se défont tout le temps. Mais peut-être que si je les lassais différemment... Allez, regarde bien comment je fais. Après avoir fait la première boucle, fais passer les deux lacets dans ce trou. Maintenant, croise-les et tire sur les quatre boucles que tu viens de former. On dirait des doubles oreilles de lapin. Et ces lacets ne sont pas prêts de se défaire. Je savais bien que j'avais laissé mes chaussettes ici. Allez! Mais où est ta copine? Elle n'a pas pu aller bien loin. Pourquoi ces choses ne restent jamais ensemble? Elle doit bien être quelque part. J'ai l'impression que je vais devenir folle. Hein? Sérieux? Au moins, elles sont de la même couleur, non? Mais elles ne sont pas aussi semblables que je le croyais. Transforme tes grandes chaussettes en soquettes en quelques secondes. Tire-la vers le bas et glisse-la sous ton talon, comme ceci. Continue jusqu'à atteindre la pointe de ton pied. Repasse-la en dessous et ramène-la sur ton talon. Maintenant, elle est comme l'autre. Qui a besoin de chaussettes assorties quand on a un cerveau? Et personne ne saura que ce ne sont pas les mêmes. Ouah, il est vraiment canon, n'est-ce pas? Je pourrais l'écouter parler pendant des heures. Merci de m'avoir accompagnée à mon casier. Je dois juste prendre mon... livre! Attention à l'avalanche, Jennifer! Ouah, quel chantier! Attends! Ne t'en va pas! On dirait que ton manque d'organisation t'a joué des tours, Jen. Son beau sourire va me manquer. Je crois qu'il est temps de m'organiser un peu. Tu as un vieux cornet à frites vide? Colle-le sur ton casier à l'aide d'un aimant. Tu pourrais y ranger tous tes stylos et marqueurs. Là, ça fait plaisir à voir. Tu aimes ce que tu vois, hein? Ouais, je suis une maniaque de la propreté. Voilà, c'est reparti pour toi, Jen. Tu crois que tes amis pourraient aussi profiter de ces trucs et astuces? Alors partage cette vidéo avec eux et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne 1, 2, 3, Go School French. Tu verras plein d'autres vidéos géniales.